La recette du jour est les timbales de Jeanne. Allez, première étape, on râpe les courgettes. Alors, je retire les extrémités et je râpe. Quand on arrive au bout de la courgette, on évite de laisser ses petits doigts, parce que moi personnellement, j'aime pas ça, je préfère la courgette, et je mets de ma paume de main pour finir de râper la courgette. Je commence par faire chauffer la poêle. Pendant ce temps-là, je vais hacher l'ail, donc je pose la gousse d'ail sur le plan de travail, je pose le couteau dessus et d'un coup sec, je vais l'écraser. Je vais retirer le germe, parce qu'il est indigeste. Alors, une petite astuce, si vous trouvez que le l'ail n'est pas haché suffisamment fin, vous pouvez simplement venir l'écraser avec le plat du couteau. C'est comme si on utilisait un presse-ail. Sauf que là, le presse-ail, c'est toi. Allez, on met tout dans la poêle. On met d'abord de l'huile d'olive. On ajoute l'ail lorsqu'elle est chaude. Et les courgettes. On laisse les courgettes gentiment suer dans la poêle et pendant ce temps-là, on va ciseler un petit peu de menthe et un peu d'aneth. Pour les ciseler facilement, on va essayer de les rouler en boudin et ensuite, on coupe avec un couteau qui coupe bien. On ajoute les herbes. On mélange et on poursuit la cuisson. Les courgettes sont cuites, on les débarrasse dans un bol pour les faire refroidir. On va mélanger la crème avec les œufs. Alors, je casse les œufs un à un dans un petit bol pour m'assurer qu'ils soient frais. C'est bon. Ça serait dommage de tout gâcher juste à cause du dernier œuf, non? On mélange jusqu'à ce que ça soit homogène. On ajoute du sel et du poivre. Les courgettes sont refroidies, on va leur ajouter le mélange d'œufs et de crème. Il ne nous reste plus qu'à chemiser les ramequins de saumon fumé. Oui, enfin non, pas enfiler une chemise, chemiser. Je vais te montrer. Afin de faciliter le démoulage de nos timbales, on part d'un carré de papier sulfurisé qui soit plus grand que le diamètre du fond du moule. Ensuite, on le plie en 4. Puis on le replie successivement jusqu'à obtenir une pointe. On dispose ensuite la pointe au centre du moule et on découpe au bord du moule. Et voilà, on n'a plus qu'à mettre le rond obtenu au fond du moule. Chemiser, en fait, ça veut dire tapisser le fond du moule. Alors moi, je vais y mettre du saumon fumé. La recette des timbales de Jeanne se fait avec du saumon fumé, mais on peut aussi utiliser de la truite fumée, ou si vous n'aimez pas le poisson ou pas le saumon fumé, simplement du jambon. Je remplis les ramequins du mélange à la courgette. C'est parti pour 2 à 3 minutes de cuisson au micro-ondes. On va préparer une petite sauce pour accompagner les timbales de Jeanne. On mixe quelques herbes fraîches avec un peu de crème. On ajoute du sel et du poivre. Et c'est parti, on mixe. Elle a pris une belle couleur verte, c'est que c'est bon. Ça sent divinement bon. Allez, on passe au dressage. Les timbales de Jeanne sont cuites et refroidies, on va pouvoir les démouler. Alors, au préalable, je vais passer un petit couteau tout le long pour m'assurer que ça n'attache pas. Je le démoule dans une cuillère à soupe de sauce. Il ne reste plus qu'à décorer la timbale. J'ai choisi de l'aneth. Bon appétit! Et si tu veux une autre recette, clique ici. À demain pour une nouvelle recette. Et si tu ne veux pas en perdre une miette, abonne-toi à la chaîne Marmiton. Drop de la courgette, la courgette, drop. La courgette, drop, drop.